All right, well, welcome everyone. This is Mass Effect 2. This is, by the way, this is on the original version. We're going to explain more about it later. Bonsoir, bonsoir Spirel. Bonsoir Lina. Et bah, on va être parti pour cette petite run de Mass Effect 2. Et en plus, on a une incentive. Donc, on ne va pas run Any% New Game Plus. On va run No One Left Behind New Game Plus. Donc, on aura l'occasion d'expliquer tout au cours de la run ce que veut dire le No One Left Behind. Si vous avez joué à Mass Effect 2, vous avez déjà une petite idée, j'imagine. Mais voilà, on va partir dans un petit voyage de 1h30. Plus moins d'une heure 30, d'ailleurs, l'incentive à 1h18. Et ça sera run par Sanjan, runneuse américaine. Et record du monde sur No One Left Behind, je crois d'ailleurs, si je me rappelle bien. Oui, et deuxième sur le 90% New Game Plus classique. D'ailleurs, à genre 2 minutes du War Record, donc vraiment très très bon niveau. Donc voilà, donc apparemment FemShep a gagné, bien évidemment, tout le monde s'y attendait. FemShep, BestShep, hein, comme toujours. Bien sûr, j'ai fait deux playthroughs, j'ai eu l'occasion de faire deux playthroughs, moi j'ai pu en faire un FemShep, enfin un MayShep en Vanguard et un FemShep en Renegade. De toute façon, FemShep, même en VF, ça déboîte. Hein. Ouais. Le duel de Pascal Chemin, exceptionnel. Voilà, si ouais. J'avais fait FemShep, je peux que vous conseiller. C'est ça, les doublages en général dans Mass Effect, qui sont très très bons en VF aussi, donc très très cool. Donc allez, on va commencer direct. Donc on a le Game Plus, donc on a toutes les dingueries qu'implique le Game Plus, c'est-à-dire l'arsenal et les pouvoirs, et ici le premier pouvoir qu'on va utiliser, ça va être la charge du porte-étendard, qui est la classe qu'on va jouer. Donc le porte-étendard, c'est la classe qui va mêler une des six classes, et celle-là qui va mener le combat au pouvoir biotique, qui est un petit peu la magie de Mass Effect, les pouvoirs biotiques. Et on a ce pouvoir de charge qui est une des grandes raisons de pourquoi on prend cette classe. De toute façon, oui, le porte-étendard, c'est de toute façon la classe de speedrun que dans toute la trilogie de Mass Effect. La charge est vraiment trop puissante, vu que on est un petit peu lent, c'est un peu le gameplay, un peu à la Gears of War, donc on est le sprint lent, pas très mobile, et puis évidemment on est très content de pouvoir charger sur plusieurs mètres sur des ennemis. C'est très frustrant cette course dans Mass Effect 2, t'as vraiment l'impression d'être un paquebot à chaque fois que t'essayes de te déplacer, mais c'est pas grave. Mais ouais, porte-étendard, une classe très très sympa. On rencontre Jacob, notre premier squadmate. Nos squadmates vont être très 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 importants dans Mass Effect 2. Donc voilà, Jacob, un soldat de Cerberus. C'est ça, parce que oui, pour expliquer un petit peu le contexte, donc on est 2 ans après Mass Effect 1, on a sauvé la galaxie, et on est mort dans l'introduction du jeu qu'on n'a pas forcément vu, mais on a été ressuscité par Cerberus, qui est un peu un groupement pro-humain, qui a besoin de nous pour certains dessins. Donc on est un peu réveillé en sursaut par une attaque de cette base Cerberus où on a été charcuté, et ça me sert un peu du niveau tuto. Ah, les mots sont durs déjà pour Jacob. Ici, on ne fera aucun favoritisme pour aucun des compagnons. C'est totalement faux. Ils arriveront que plus tard. C'est vrai que Jacob, bon. Évidemment, on va pas spoiler Mass Effect 3, mais Mass Effect 3, quoi. mes respects, Jacob, mais bon. On n'est pas là pour toi. Et voilà, bon, la mission est finie, ça allait très très vite. On nous voici maintenant dans les locaux de Cerberus. On va pouvoir aller voir l'homme trouble qui est le PDG de Cerberus en quelque sorte. Une sacrée enflure, comme on apprendra, mais pour l'instant c'est notre boss, donc on va faire avec. Ouais, et puis surtout il nous a ramené à la vie, donc c'est le moins qu'on puisse faire. C'est ça. On a un peu un problème, alors ça dépend un petit peu si vous jouez tout le système d'alignement dans Mass Effect 2, qui est en gros, est-ce que vous êtes, c'est conciliant ou pragmatique, je crois, en VF. Et en gros, dans une run plutôt conciliante, vous avez totalement chié sur Cerberus, parce que c'est vraiment des pro-humains et pas des gens recommandables. Donc voilà, en général, on les aime pas trop. Et donc là, on va commencer à voir, en gros, le gros du jeu, ça va être ça. Voilà, ça va être de passer en out of band. Je te laisse expliquer le petit jeu. Le petit glitch, donc, qui s'appelle l'elevator, donc littéralement l'ascenseur, donc on va se coller à des éléments du décor, et le jeu va nous pousser vers le haut de ces éléments, et comme Shepard ne sait pas sauter, c'est très très appréciable dans les niveaux, et on va skipper quand même pas mal de phases de combat et de dialogue qui peuvent prendre un peu de temps. Et voilà, on combine ça avec des petits boosts, hein. Vous voyez, parfois la runneuse va secouer la caméra en faisant des coups de corps à corps, ça lui permet de faire un petit dash pour
aller un petit peu plus loin quand elle en aura besoin. Voilà, et puis on a quand même les wavefights qui arriveront, donc on va voir que donc, les mécaniques de base de Mass Effect, c'est qu'on se balade en escouade de 3, donc avec deux compagnons chaque fois. Ici, on a Miranda et Jacob, donc les deux de Cerberus, c'est les deux seuls qu'on a pour l'instant. On est un peu par défaut, même si en vrai, Miranda, on l'utilisera quand même pas mal du temps, parce qu'elle a des pouvoirs sympathiques. Et vous voyez, en haut à gauche de votre écran, on a en gros 8 raccourcis qui sont des pouvoirs qu'on peut balancer. Chaque classe a un petit peu ses pouvoirs, et chaque compagnon ont leur pouvoir. Et bon voilà, là le Ymir mec, le boss de fin de ces niveaux qui s'est fait un petit peu déglinguer. L'avantage du New Game Plus, c'est que les combats sont rapides, mais qu'ils ont quand même des exécutions sur mêlée très très vite. Sachant qu'on n'est pas forcément full niveau, puisque on a commencé niveau 12 sur 30, il me semble. Il n'y a pas d'avantage vraiment à commencer niveau 30 dès le début, parce que là, ça rend les ennemis plus tanky et ils font plus mal, donc on a... L'intérêt, c'est de faire commencer le New Game Plus, mais de façon un peu mesurée. Tout à fait. Donc voilà, là, on a fait nos premières missions. Et en fait, ce que nous demande Cerberus, en gros, c'est d'assembler... c'est qu'il y a une menace qui est en train de frapper les colonies humaines. Donc on ne sait pas trop ce que c'est. Et du coup, c'est pour ça que Cerberus nous a ressuscité. C'est pour qu'on monte une escouade, comme dans Mass Effect 1, et qu'on aille s'occuper un petit peu de ce qui est en train de faire des ravages sur les colonies humaines. Donc là, on va commencer à monter notre escouade. On a plusieurs dossiers qui nous ont été donnés par Cerberus. Et le premier dossier qu'on va aller, bon, on a un peu Snout of Bands, voilà, on va avoir l'habitude. Classique, classique. Et premier dossier qu'on va aller récupérer, c'est Bebou Mordine. Vraiment un des meilleurs compagnons, Mordine. Clairement, et puis. J'ai rien à dire sur ce personnage, hein, c'est. Vraiment incroyable. Voilà, et donc, il est un scientifique, donc qui a fort affaire à gérer une épidémie donc à Omega, qui est une station un peu centrale dans Mass Effect. Et du coup, on va devoir l'aider un peu à répandre l'antidote de ce virus-là pour qu'il accepte à rejoindre nos rangs, sachant que c'est pas évident, puisqu'effectivement, on est engagé par ce qui est l'équivalent d'une espèce de gros lobby moitié terroriste, etc., donc pro-humain, donc les races aliens ne sont pas très très chaudes de nous rejoindre au début, quoi. Ah, c'est difficile à convaincre, en effet. Hein. Donc voilà, Mordine, qui est un scientifique galarien, qui est une race c'est pas la race qu'on a plus vue dans Mass Effect 1, du coup, si vous avez joué au 1, qui sont la troisième race, en gros, du conseil. Des trois races très importantes dont les humains ne font pas partie. C'est justement de là que viennent les groupuscules un petit peu humains dans Mass Effect. C'est le fait qu'ils trouvent que l'humanité n'est pas assez respectée dans la galaxie, parce qu'ils sont arrivés très tard comparé aux trois autres, qui sont les Turiens, les Asari et les Galariens. Donc là, voilà, avec Mordine, on va avoir l'occasion d'avoir un compagnon galarien. Exactement. Parce que effectivement, les humains sont vraiment les derniers, les petits nouveaux dans la galaxie. Et c'est justement tout le propos du premier jeu, c'est qu'on a essayé de un peu faire valoir un peu l'intérêt de la race humaine. Et c'est pour ça qu'on est le premier spectre humain, c'est-à-dire fait partie un peu de l'élite, un peu des soldats de la galaxie. Vers la réputation que tu te tapes, tu découvres la société intergalactique, tu te tapes une guerre du premier contact avec les Turiens parce que vous ne comprenez pas, t'es en guerre permanente avec les Batariens, qui sont une autre... les Butariens en français, du coup, pour pas que ça se batare, j'imagine. Avec les Butariens qui sont à peu près dans le même espace colonial que l'humanité. Donc voilà, t'arrives, tu fais la guerre à tout le monde, donc forcément qu'on te considère mal. Mais en plus, il y a le conseil, donc la conférence qui te croit pas du tout, malgré les preuves, donc c'est... ça encore, voilà, on a que des handicaps un peu dans ce Mass Effect 1, là. Là, on est le 2, donc on repart un peu de zéro, puisque tout le monde nous croit un peu mort, ce qui est logique, puisqu'on est mort, littéralement. Mais voilà, c'est pour ça qu'un peu nos anciens alliés sont pas forcément tout de suite disponibles à nos côtés. Voilà, là on est parti hacker la ventilation d'Omega pour diffuser l'antidote un peu partout, parce que voilà, il y a une espèce de maladie qui est en train de tuer tout le monde dans les sous-sols. Donc voilà, ça va alterner entre des phases d'Out of Bands et des phases de Wave Fight ici. Niveau arsenal, on se balade. Alors est-ce qu'on l'a déjà pour l'instant? Je crois qu'on a le Matoc déjà, donc on a tous les DLC. Les DLC qui vont me servir à deux choses, qui vont déjà me servir à avoir un compagnon à recruter très très facile qu'on va faire sur Omega, et ensuite à avoir le Matoc, ça c'est l'arme qu'on a actuellement, qui est un fusil d'assaut, ma foi efficace, hein. C'est une bonne arme, le Matoc, hein. C'est du semi-automatique, ça tabasse.
Et c'est vraiment très très efficace. Très puissant. Sachant que oui, précision importante, on joue sur la version d'origine, donc celle sortie en 2010. Sachant qu'il y a évidemment une version un peu remaster, l'édition légendaire qui est sortie il y a quelques années et qui corrige certains glitches qu'on va voir là dans cette run. Et c'est une version qui est légèrement modée d'ailleurs, du coup, cette version renée qui permet d'avoir notamment des petites améliorations de qualité de vie qui aident pas mal des runners. Donc voilà, vous vérifiez que les dialogues, alors des fois on est quelques petites séquences qui sont à moitié cinématiques, on est obligé de se taper le dialogue en entier, mais en général quand on est sur des dialogues avec des choix, parce que Mass Effect est quand même connu pour avoir des dialogues à choix assez poussés, et voilà, avec tout le système d'alignement et tout, c'est pas le cas ici. Ici on a bind le skip des dialogues et les trucs pour accepter les options sur la molette de la souris, on balance sa molette, ça passe les dialogues. Voilà, c'est comme ça qu'on gère un petit peu la chose, pour que ça évite dans Mass Effect 2, et dans tous les Mass Effect d'ailleurs, c'est comme ça que c'est géré. Donc voilà, ici on recrute Zaed, justement, c'est à ça que le DLC sert. Ici il y a un compagnon gratos à recruter ici, parce qu'on va avoir besoin de recruter un certain nombre de compagnons pour la mission finale. Et donc comme il est là sur Omega et qu'on est sur Omega, bah il est juste à côté, c'est pratique, c'est pour ça que la run par DLC est sympatoche. Ça fait un compagnon de moins à aller chercher, et des missions à faire en moins du coup. C'est ça, effectivement, oui. En plus, voilà, Zaïd va nous servir un petit peu à toute fin, mais voilà, sinon on va principalement voir Mordine et Miranda qui ont l'avantage donc de combler un peu les lacunes qu'on a au niveau des dégâts. Notamment parce qu'il y a trois types de dégâts, d'HP dans le. Vous avez la santé normale, vous avez les boucliers, vous avez la barrière. Et chacun ont des façons différentes de se faire attaquer, donc et avoir donc Mordine et Miranda permet de gérer les trois. C'est pour ça qu'on va utiliser cette combinaison là quasiment toute la run. Donc là, petit point là, on va aller chercher. Alors on a un dossier, on nous a donné un dossier d'un espèce de chasseur de primes qui s'appelle Archangel, qui est en train de semer un petit peu la terre sur Omega. Donc on est directement allé voir la big boss d'Omega qui s'appelle Argia Tolok, qui est une Asari, c'est un peu Jabba le Hutt sur Omega quoi. Donc on est allé la voir, on lui a dit ouais, où c'est qu'il est Archangel, et en fait ça veut dire que tous les gangs d'Omega sont en train de monter une guérilla pour aller tomber Archangel, et donc du coup on va s'infiltrer dans les gangs d'Omega pour essayer d'aller taper Archangel, sauf que nous on veut le recruter. Et ça, donc voilà, on fait un petit peu illusion au début, on est un peu dans les lignes de front avec les mercenaires, on va faire un petit obé, voilà, pour passer à travers des Titan Trigger. Voilà, ça va. C'est imminent. Voilà, faut prendre un peu de temps. Vous voyez, on va voir un petit zip. Voilà, très visuel. Voilà, exactement. Zwip. Le petit truc sympa. Magnifique ragdoll aussi. Et puis, on va l'attaquer. Ouais, ça va vraiment jouer sur les angles à 88 degrés. C'est ça qui va nous faire monter sur les collisions et tout. Et qui va nous faire des conflits avec les textures. Donc voilà, là, on est avec les freelancers. On avance, machin. On avance avec eux et paf, on les trahit. En fait, non, on n'est pas avec vous. Non, on va voir Archangel. Alors, ce qu'il a quand même vachement balèze, Archangel. Et surprise, Archangel, c'était Garrus, le meilleur compagnon de Mass Effect. Ah oui, voilà. L'une des figures importantes et emblématiques de Mass Effect, sachant qu'effectivement, on le recrute généralement dans Mass Effect 1. Il y a une petite possibilité de ne pas le croiser. Mais voilà, c'est très improbable, un peu sur votre route, mais techniquement vous pouvez passer tout 26 sans le voir. Ah, c'est quand même triste, tu fais une run sur les 3 jeux, t'importes tes saves de Mass Effect 1 et t'as pas Garrus quoi. Il y a plusieurs fois comme ça que tu peux un peu louper, et du coup ça te rend l'expérience différente. Donc là on a un peu une défense de base à faire, on va laisser un peu les ennemis avancer. Parce que s'ils avancent au bout d'un certain point, le jeu va penser qu'on est nul et va annuler une vague d'ennemis. Donc, ce qui est assez appréciable en speedrun. C'est un peu le moment un petit peu run killer en hors marathon, parce que parfois, effectivement, nos alliés sont trop efficaces et tuent les ennemis avant. Mais là, ça s'est plutôt bien passé. Encore une fois, l'utilisation de différents types de dégâts ici qui sont importants, surtout qu'on a genre des Ymir mecs qui ont les trois barres de vie différentes avec bouclier, armure, vie.
Et encore, il y a distinction entre organique et synthétique aussi, il faut faire attention à ce qu'on utilise. On voit qu'on a les munitions incendiaires sur le matoc, qui sont du coup utiles contre tout ce qui est armure et organique. Exact, et du coup, je crois que c'est Mardin qui nous les donne de base. Je crois qu'on... Non, ouais, je crois qu'on les a aussi. Non, Vanguard, tu les as de base dans ton kit. Ok. De toute façon, ouais, c'est très utile. Là, on a battu la vague, on va aller vers la suite de la mission. Ah, ça commence déjà les débats dans le chat. Bon, oui, Mass Effect 2 est le meilleur, il n'y a pas de débat, mais en vrai, je ne sais pas si vous avez refait Mass Effect 1 récemment, mais si vous avez longtemps que vous n'avez pas fait Mass Effect 1, vraiment faites le remaster de la légendaire édition, oui. C'est un bonheur. Genre, c'est vraiment... Si vous avez fait Mass Effect 1 à l'époque sans aucune amélioration et que vous le refaites là avec la Legendary Edition, vraiment vous allez voir la différence, c'est un truc de ouf. Hein. C'est pas vraiment le même jeu, hein. Clairement Mass Effect 1, vraiment c'est comme The Witcher 1 je pense, c'est vraiment un jeu qui pique un peu quand on y rejoue. Là ouais, effectivement le remaster a fait un très très bon boulot, du coup ça le remet un peu au niveau de Mass Effect 2, donc c'est cool. Alors que le stream a freeze chez moi. Non, il a freeze pour moi aussi, donc on a un petit freeze du stream. Excusez-nous, on arrive. On va repartir, il y a 14 minutes, mais je sais absolument pas où on en est. Du coup, on va voir un petit peu, on va s'en retrouver avec tout ça. Donc on va de retour, et puis visiblement, on va reprendre en jeu. Comment ça, autant de crédits? On est en New Game Plus, donc j'imagine qu'on est max crédit, c'est vraiment pas la question d'aller récolter des trucs. New Game Plus, et même si tu commences une nouvelle sauvegarde et que t'as déjà fini le jeu, même si tu reprends pas ton ancienne, t'as quand même des bonus. Ok, donc... alors Slingshot, eh ben on reprend, ça a été pause, et visiblement on reprend un Garrus, donc on a rien perdu. Donc ça m'a l'air pas mal. Alors je sais pas si c'est une save de marathon ou quoi que ce soit, mais en tout cas on est là, on s'est arrêté, donc on est toujours à la mission de Dark Angel. Ouais, ça va faire plaisir au monteur de LFR. C'est ça. Donc là il faut juste fermer trois portes, voilà, pour éviter que les mercenaires aillent nous embêter, et on va entrer dans la dernière partie de ce niveau-là, qui est un peu un combat de mini-boss, déjà, qu'on ne doit pas forcément tuer trop vite, sinon on risque de softlock le jeu. Voilà, ça reste sympa. Et puis après, on a un petit boss à la fin. Savoir que... j'allais dire un truc, mais j'ai oublié. C'est fantastique, ça. Oui, les Mass Effect 2, qui est vraiment pas, c'est vraiment pas du jeu gratos si vous décidez de jouer en difficulté maximale. Vraiment, il faut vraiment se servir de toutes les habilités des covers de ses compagnons, de les placer correctement, de bien servir leurs pouvoirs et tout. Et vraiment, il n'y a rien à laisser au hasard qu'on joue sur de la grosse difficulté. Ici, ça n'a rien à voir. On est resté niveau 12 pour qu'il soit downscale, on en a New Game Plus. On est en facile, j'imagine. On roule sur absolument tout. Ouais. J'ai retesté récemment Mass Effect 2 en troisième niveau de difficulté, donc je me suis dit ça va aller, je connais le jeu, et puis je me suis fait défoncer dans le premier niveau, donc... Ouais, non, ça fait vraiment beau, hein, vraiment, le mode difficile, je déconne pas. Hein. Ouais, on a encore une petite vague à gérer, en plus d'un petit hélicoptère qu'on va avoir juste un peu plus tard, mais qu'on va se débarrasser assez rapidement. Il y a des mini optimisations à savoir un petit peu sur ce qu'on peut utiliser comme type d'arme, et là on va bientôt se servir de l'arme qui va faire un petit peu le bread and butter de Sun Run, le canon Kane. Voilà, un peu moins mini, voilà. C'est ça, le M920 Kane, qui ma foi est la mini nuke de Fallout. On en a une par mission. Et une permission, c'est bien, en général, elle va être lâchée au moment qui nous permet de skip le plus de temps, de skip la plus grosse vague d'ennemis. Donc voilà, vraiment, vraiment très très sympa, parce que ça tue tout, hein, ça tue absolument tout sur la map. Voilà, y a pas d'embrouille, hein, avec le canon Kane. Hein, oui, ça. Sauf tes alliés. Hein. Ça, oui, ça utilise des missions lourdes qui sont assez assez précieuses dans le jeu normal, sauf que en fait, on joue sans des sauvegardes automatiques, et quand on fait ça, le jeu nous donne des missions lourdes au chaque début de niveau, donc c'est donc on peut un peu filouter. C'est ça, donc on en a vraiment une par mission. Allez, maintenant on va partir dans Purgatory, qui est un ancien vaisseau qui a été repimpé en prison stellaire. Magnifique.
C'est la bonne ambiance et on vient ici délivrer une des prisonnières qui nous intéresse, qui s'appelle Jack. Le sujet de Jack, qui fait partie un peu de nos dossiers, qui est du coup on aura l'occasion de faire sa mission de loyauté, donc on pourra y revenir un petit peu sur le passé de Jack. Mais voilà, ouais. qui est une super soldate biotique en gros. C'est ça. Sauf que voilà, on était déjà de base venu juste pour que les gens de la prison nous la délivrent, sauf que en fait ils nous veulent aussi qu'on soit nous emprisonner, donc voilà, on va tâcher un peu de libérer Jack tout en s'échappant un peu du vaisseau. La voix FR de Garus est incroyable, j'en profite qu'on parle de la voix FR de Garus pour dire que voilà, la voix FR de Garus c'est Gilles Morvan, ce que j'ai toujours trouvé très drôle comme nom parce que c'est un mix entre Gilles Stella et Jérémy Morvan et ça me fait marrer. et Gilles Morvan qu'on retrouve dans pas mal de jeux, vraiment un super comédien de doublage, j'adore sa voix. De toute façon, tout le cast VF de Mass Effect est exceptionnel, je trouve. Vraiment, c'est aussi ça qui fait, je pense, le jeu principalement, quoi. Un petit nœud, voilà, pour nettoyer un petit peu le chemin, puisque voilà, on va juste se contenter de foncer un peu jusqu'au niveau. Il y a un boss qui nous attend un peu au bout. Et pour répondre à ta question, non, on ne fera pas toutes les missions de loyauté, on va faire juste le nombre de missions de loyauté qui nous suffit pour que personne ne meure. Car voilà, on est en train de build notre escouade pour l'instant. Et le but final de ce run, quand même, ça va être d'accomplir la mission finale de Mass Effect 2, qui est une mission suicide. Qu'on appelle la mission suicide, où vraiment, ils voient ça comme une mission sans retour de base. Et dans cette mission suicide, vos compagnons peuvent mourir. Et vraiment, si vos compagnons meurent dans Mass Effect 3, si vous importez votre save, vous n'avez plus vos compagnons, ils sont morts. Mais il y a des moyens au cours du jeu, notamment les missions de loyauté, qui permettent de sauver les compagnons que vous envoyez à différents endroits pendant cette mission. Et ça va être important pour trois compagnons. Il y a vraiment trois rôles qui vont être remplis durant cette mission, qui ont besoin de loyauté montée. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il va falloir augmenter la loyauté de trois compagnons. On verra lesquels au fur et à mesure. Mais d'abord, on continue de compléter notre petite escouade en allant chercher un Krogan. C'est ça, voilà, quatrième et dernière mission un peu de cette première partie. On va chercher le docteur O'Kear, qui est un vétéran de la guerre Krogan. Du coup, les Krogan, cette race un peu très belligérante et centrale aussi dans l'univers de Mass Effect. Et donc, c'est un niveau donc assez vertical, donc qui n'est pas trop top pour la mobilité qu'on a. Sauf que, voilà, comme on fait encore des OOB, ça va être beaucoup plus facile. Alors qu'il y a aussi un petit truc qu'on voit, c'est quand vous tombez... normalement, on ne peut pas tomber des géométries, vous ne pouvez pas tomber vraiment dans Mass Effect 2, c'est pas comme ça qu'est fait le design, vous ne pouvez pas sauter, vous ne pouvez pas tomber. Mais on peut faire un truc qui s'appelle le melee abuse, donc mettre un coup de mêlée et un peu se bousculer, de se trémousser de gauche à droite, ça va nous faire tomber des géométries. Et on va pouvoir faire des chutes grâce à ce melee abuse. Donc voilà, ce qui nous permet d'augmenter un petit peu notre arsenal de déplacement dans la top band, qu'on est quand même vachement, vachement limité en déplacement dans ce jeu. Ouais, c'est de toute façon, c'est le gameplay vraiment Gears of War très inspiré, qui, je pense, en 2010, c'était vraiment la grosse mode. Et puis, voilà, c'est un jeu très, très, très multi-action, et vraiment, c'est pour ça qu'on est très, très content d'avoir un dash comme ça avec le porte-étendard. Ah, les mini-jeux. Ah, le hacking. Bon, c'est pas le pire hacking du jeu vidéo, clairement, mais en run, c'est toujours un petit peu relou, quoi. C'est ça. Et puis en plus, c'est une petite partie RNG de la run, vu que le layout va changer à chaque fois. Enfin, moi, j'aime bien les mini-jeux de hacking de Mass Effect, ils sont sympas. Ouais, c'est le moins pire, je pense, du jeu vidéo quand on connaît, par exemple, comme dans, par exemple, Alpha Protocol, où c'est vraiment des trucs horribles, où tu sais même pas quoi faire. Là, ils sont assez sympas, c'est juste que, voilà, il faut juste pas trop se louper, parce qu'une erreur et tu recommences, quoi. Quand marathon, ça peut faire la différence. On va faire une tier list des mini-jeux de hacking. Alors, vous pouvez prendre Cyberpunk, Fallout, vous pouvez un peu tous les prendre, si vous voulez. Bah, Suicide Cyberpunk est assez sympa, je trouve. Ouais, Suicide Cyberpunk est sympa, je dois réfléchir un petit peu à ce que tu vas faire avant.
Even on lowest difficulty in a cover shooter. Il est sympathique, il est sympathique. Donc voilà, des mini-jeux, on va pas en avoir beaucoup non plus. On aura 2-3 portes, on va devoir deux, c'est que c'en est fait aussi. Et on parle de Vrex, non, pas Vrex, pas Vrex dans Mass Effect 2. On ne verra pas Vrex dans Mass Effect 2, en effet. Alors, on le voit pas du tout, ouais, je crois bien. C'est... Non, je crois qu'il est totalement absent. Ça, on le revoit, il est très très important dans Mass Effect 3, Vrex, si vous l'avez pas tué dans le 1 d'ailleurs. Mais. Qui a tué Vrex dans le 1 voilà, je veux dire, tuer Vrex dans le 1, c'est assumer qu'on est raciste un peu, c'est un peu ça qui se passe. Donc, c'est... Bon, en fait, il y a beaucoup de choix qui sont très cornéliens, mais celui-là, on n'est pas vraiment un. Là, on va avoir normalement un petit combat de mini-boss qu'on va expédier. Il y a une stratégie très très complexe qui s'appelle un nuke, tout simplement. Voilà. Tire à l'antique. Ah, quand l'écran devient tout jaune, c'est qu'on a nuké la zone. Ouais. On le revoit sur Twitch Funcap dans la quête de loyauté de Mordine et Grunt. Et ben voilà, ça je me rappelais plus exactement, mais en effet, on est sur Twitch Funcap. Twitch Funcap qui est appelé d'origine des Krogan. Voilà. Pour le petit point lore sur les Krogan, ce qui se passe. Alors, parce que là, on est censé aller récupérer un scientifique Krogan, mais en fait, il a cané. Donc, on récupère son sujet d'étude qui est dans une espèce de cube. Pour l'instant, une espèce de cube, il faudra le libérer plus tard, mais voilà, on a retrouvé un espèce de spécimen Krogan. Bon, bah, ça fera l'affaire. Tant pis, on n'a pas le scientifique, on aura lui. Et les Krogan, en fait, leur problème, c'est qu'ils ont, c'est que c'était une espèce qui se reproduisait énormément, et avant que l'humanité entre dans le jeu, le Conseil a décidé de déployer un virus qui s'appelle le génophage, qui déglingue le taux de natalité des Krogan et qui rend à peu près tout le monde stérile, pardon. Et voilà, ça a été libéré sur la planète Tuchanka, planète d'origine des Krogan. Et ça, c'est aussi un gros, gros plot point de toute la trilogie originale de Mass Effect, le génophage. C'est ça, qui vont recouper les arcs de Vrex et de Mordine, surtout. Parce que le génophage a été créé par les Galariens et libéré par les Turiens, voilà. Mais voilà, ça vous aurez l'occasion, si vous faites Mass Effect 3, de voir un petit peu un peu tous les détails. Tandis qu'on est arrivé sur Horizon. Horizon, donc une colonie humaine qui se fait attaquer actuellement, et du coup, c'est un peu une des missions d'histoire principale. Qu'on va outrepasser seulement à l'aide de petits OOB. C'est ça. Après, la mission d'Omega, c'est surtout un wave fight très long et très punitif. Et vraiment, ce wave fight, c'est un des fights qui m'a fait le plus galérer quand j'ai refait le Mass Effect 2 en hard. Vraiment, dans cette zone dans la zone carrée de la fin, là, c'est vraiment, vraiment pas évident. C'est vraiment juste une mission de baston, Omega Horizon, pardon. Donc voilà, là il y a un petit Melabios pour tomber, on en parlait ici. Et on peut continuer la Tough Bands pour arriver jusqu'à la fin. Donc voilà, Horizon qui est vraiment les communes qui se fait attaquer. Et c'est là qu'on va rencontrer nos ennemis, les récolteurs. Reaper en anglais. Donc ouais, qui ont une sale manie de kidnapper les humains. Donc c'est pour ça que l'autre trou nous a ressuscité. Donc on va... Donc on va essayer de savoir pourquoi ils font ça et comment les arrêter. Et donc là, normalement, c'est un peu la mission drama où on voit tous les humains se faire shipper et que c'est clairement chaos, sauf que voilà, on va skipper mal de cinématiques et de combats, notamment une cinématique où on voit un visage un peu connu. Mais voilà, ça y est, on est déjà dans la dernière zone du niveau. Ah, cette zone qui me file des PTSD, moi, perso. Vraiment, le fight est infâme ici. Voilà, deuxième petit mini-jeu de hacking ici, où il faut retrouver les bonnes lignes de code. Donc, c'est celui qui demande largement le plus de l'attention de la part du runner. Et voilà, on a une petite défense de vague où il faut juste défendre le point central et tuer les ennemis dans un ordre précis pour manipuler un peu un peu leur comportement. Ouais. Mine de rien, une RNG minime quand même dans ce jeu, parce que les wave fights, on les fait tellement. Voilà, les wave fights sont pas RNG pour le coup en eux-mêmes, donc on sait à peu près où tout va pop, comment tout affronter et tout. Les mini-jeux sont vite faits RNG et tout, donc ouais, quand même une RNG minime. C'est plus que le déplacement des IA qui fait le sel un peu de... C'est ça, ouais. Ça va être la manipulation d'IA correctement pour essayer d'aligner des ennemis, pour faire peut-être du cleave des fois. Et la runneuse est en difficulté minimum, je pense. Hein. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'on va, jouer en facile. Ouais. Hein, on passe compliquer la tâche outre mesure.
C'est ça, ouais, ça ajoute pas grand chose à la run d'être dans une difficulté plus élevée. Les ennemis sont toujours des sacs à PV. On arrive à la dernière, au boss de la zone avec la dernière vague. Donc on va attendre que tout pop, on va balancer une nuke et ça sera terminé. Voilà, simple et efficace. C'est ça. Un autre pouvoir qu'on a vu un petit peu, donc voilà, dans les différents pouvoirs, on peut expliquer un petit peu ce qu'on a. On a la charge qui est très très utile. À savoir que la charge, vous avez vu que l'animation de la charge, on la voit jamais parce que en faisant un pause buffer durant l'animation de la charge, on la skip. Donc voilà, un petit mini gain de temps, ma foi sympathique à faire. C'est ça, quasiment jusqu'à une seconde parfois dans certains cas, et c'est très facile à faire même en casu. Voilà, vous n'avez pas à faire une manipulation précise, juste appuyer sur pause pendant l'animation et puis vous verrez que vous TP quasiment instantanément sur l'ennemi. Donc voilà, on a aussi les deux pouvoirs qui vont être le plus utilisés, ça va être déjà surcharge et incinération, ça c'est les pouvoirs qui vont être sur nos potes. La surcharge, c'est les pouvoirs technologiques, donc on n'a pas avec notre classe de porte-étendard. Donc la surcharge qui va exploser les synthétiques et les boucliers, l'incinération qui va exploser les organiques et l'armure. Donc voilà, on a de quoi tout déglinguer, donc on va toujours essayer d'avoir une escouade de deux qui nous permet d'avoir cette surcharge et incinération. Donc en général, ça va être Mordine avec Miranda. Là, on a Garrus Miranda. Pour ce qu'on n'a pas besoin d'incinération, je sais pas trop pourquoi on a besoin de Garrus sur cette mission. J'ai pas l'info, pour être honnête. En tout cas, voilà, on voit cette magnifique planète donc, qui est Aestrom, où le soleil nous fait des dégâts, donc tout ce que le soleil touche fait mal, tout simplement. Et on va aller recruter Tali, la best, la meilleure, la goat. Puisqu'on est un peu dans la deuxième phase de recrutement du jeu, où il y a un compteur interne dans le jeu qui fait que au bout de 5 missions et de 8 coéquipiers recrutés, on va pouvoir passer à la prochaine mission d'histoire. Donc voilà, on va déjà faire les recrutements qui nous manquent et un peu tuer le temps quand ce sera fait. C'est ça. Et oui, en effet, si vous n'avez pas sauvé Kaidan, j'ai vraiment des questions. Oui, effectivement. Moi, quand j'étais mon premier présent, j'ai sauvé Ashley, mais vraiment, après, j'ai vu la lumière, j'ai compris. Et puis, Kaidan, s'est beaucoup fait disrespect sans forcément beaucoup de raisons. Donc oui, Kaidan, c'est clairement le meilleur choix. Non, mais par contre, c'est bien malheureux que absolument tous les compagnons humains soient plus ou moins plats, parce que bon, même Kaidan, c'est plus par défaut, parce qu'à côté, c'est Ashley, quoi. Donc, c'est ça, ouais. Peut-être le meilleur, c'est James, peut-être dans le 3, mais vraiment pas énormément, quoi. J'en ai très peu de souvenirs de James, honnêtement. Non, meilleur compagnon humain, du coup... Joker, ça n'est pas, mais... Oui, c'est Joker, clairement, oui. C'est Joker, le meilleur humain dans le tas. Quand même. Joker, notre atout cœur, évidemment. Ouais, mais... Le timonier du vaisseau. Voilà, et puis, ouais, évidemment, pas mal de membres d'équipage qui ne sont pas en mission avec nous, mais qui sont essentiels dans le Normandie. Évidemment, Kelly Chambers, Samantha Trainor, toujours... La quartier, mais finalement, les meilleurs humains, c'est pas tes compagnons, quoi. C'est ça, ouais. Navigateur Presley, aussi. Oui, ouais, le duo Presley... Et l'autre, je ne sais, j'ai plus son prénom, mais effectivement, très drôle aussi. Donc voilà, j'aime bien avec Dash sur le Get Prime, on se met dans un coin, on balance une nuque dans le coin, ouais. À bout portant, ça ne tue pas, tout va bien. Ça ne tue pas parce qu'on a un shield, voilà, tant qu'on a un PV dans le shield, c'est l'entraînement spécial de Lancet, ça. Résister au nuke, ça fait partie du conditionnement. Allez, voilà, Tali, on a tous les meilleurs à bord, j'ai envie de dire. On a Mordu, on a Garrus, on a Tali, on a tout ce qu'il faut. Hein. C'est... Voilà, c'est nickel. Donc là, on est vraiment en plein dans l'embranchement du One Left Behind. Si on était en 1% normal, on n'aurait pas récupéré Tali, puisque ce serait trop lent. Donc là, mais bon, là, c'est comme on a un peu un cœur, on va aller la chercher et sauver tout le monde. C'est on va ça, les réveiller, Grunt. Voilà, donc Grunt, on va le réveiller. Premier réflexe qu'il va avoir, c'est de nous attraper par la gorge. et si je ne m'abuse, alors je suis en train de chercher pourquoi on prend Tali. Alors, à savoir que dans la mission suicide, à la fin, du coup, on peut utiliser il y a trois personnages qui peuvent faire les conduits d'aération. C'est pour ça qu'on a besoin de Tali. Donc, on a Tali, Kazumi du DLC,
Et qui peut. Je sais plus qui peut y aller après. Et Légion, et c'est Légion qui peut le faire aussi. Donc Légion, sa mission de loyauté, il est un peu trop chiant à recruter Légion et sa mission de loyauté est un petit peu trop longue. Kazumi, on est censé le recruter dans l'1%, mais je crois que sa mission de loyauté, c'est le truc d'infiltration qui dure, oui. Qui dure 10 plombes et c'est que tu peux pas vraiment skip. Donc, c'est très cinématique, ouais, c'est pour ça. Ouais, la mission de loyauté de Kazumi, elle prend 10 ans et demi. Donc c'est pour ça qu'on va recruter Tali, parce que la mission de loyauté de Tali est la plus rapide à faire et qu'il faut faire la mission de loyauté de la personne qu'on va envoyer dans l'event, sinon la personne crève. C'est ça, effectivement, les missions de loyauté donc, qui sont très importantes pour qu'on ait la fameuse bonne fin qu'on va avoir. Voilà, d'où le recrutement de Tali dans cette catégorie. Voilà. Et qui nous permettent aussi d'avoir de débloquer des costumes un peu alternatifs, donc c'est toujours un peu cool de les faire. Et puis, généralement, pour moi, je trouve que c'est parmi les meilleures missions du coup de Mass Effect 2. Hop, on dérange les calibrations de Garus. Deux secondes, excuse-nous. Ah oui, une chose importante qu'on fait, c'est aussi on récupère des mises à jour du Normandie, parce que on en a trois à acheter, et du coup, si on en loupe ne serait-ce qu'une, eh bien, on va avoir des gens qui meurent. Donc, et comme la catégorie veut qu'on sauve tout le monde, ben, ce serait un peu dommage. Il me semble aussi que c'est pour ça qu'on recrute Tali, je crois qu'il y en a une, ou je sais plus trop. Mais je crois qu'il y en a, des gens qu'on recrute. Et c'est ça aussi, on a besoin de Tali pour les améliorations du vaisseau aussi, en effet. C'est peut-être pour ça, et peut-être que je raconte n'importe quoi depuis le début, mais c'est pas grave. Allez, Mordine Miranda à la Dream Team. En tout cas pour le speedrun. Mais pas ma Dream Team, Mordine Miranda. Je crois que je n'ai jamais groupe Miranda en dehors des faux, j'étais obligé de le faire. Mais... Ça va, et moi j'ai eu beaucoup de mal avec elle aussi. Là, on est dans une planète qui s'appelle Blue Hub, et c'est une mission totalement secondaire qui s'appelle l'émission N7 dans l'univers, qui sert juste un peu généralement de farm. Nous, on s'en sert juste pour gagner un peu de temps parce que c'est rapide à faire et que. On veut faire baisser le compteur interne qui se rapproche un peu de la mission d'histoire suivante. Donc voilà, en général, c'est des missions de raid de base avec combat de vague. Donc, ma foi, somme toute, très rapide à effectuer. Ouais, voilà, mission complete. Et voilà, ça va, c'est vraiment. Et ensuite, il y a un routing aussi, parce que vous voyez que voyager dans l'espace, c'est pas anodin niveau temps. Il faut vraiment se trimballer entre les systèmes. Ça peut prendre des plombes. Donc voilà, on va essayer de faire ça en un nombre de jumps limité. Vous voyez qu'on balance une probe, on va entrer là-dedans. Voilà. Donc là, on est resté dans le même système pour faire deux missions, par exemple. Ça nous aide quand même un petit peu pour le temps. C'est la mission de loyauté de Jacob. Ah si, c'est la mission de loyauté de Jacob, ok, c'est ça. Oui, je me disais bien, parce qu'on a pris Jacob, donc oui, ça, c'est la mission de loyauté de Jacob ici. Qui est peut-être la meilleure chose du perso, d'ailleurs, cette mission de loyauté, je pense. Ouais, je me rappelle plus, honnêtement. La mission de loyauté de Jacob, je me rappelle plus ce qui s'y passe. Il y a des liens avec son père et le vaisseau qu'il avait. C'est assez cool, mais voilà, sinon, ouais, c'est... On a besoin du coup pour un peu setup la fin de la run. C'est ça, parce que Jacob, lui, il va servir de leader à l'équipe secondaire. Vous avez une équipe secondaire pour la mission finale, il faut un bon leader. Donc voilà, le choix, ça se fait entre Jacob, Garus et Zed aussi, je crois, peut-être. Bref, la mission de loyauté de Garus est plus longue que celle de Jacob. Et donc voilà, on fait celle de Jacob, et ça sera Jacob. Voilà, le calcul est très simple. Même si on adorerait faire la mission de loyauté de Garus. Qui est ma foi sympathique. Je crois qu'on n'est pas censé avoir cet écran. Ouais. Oula. Bon, dis donc, on est servi en termes techniques. Je crois qu'on sait sa flock. Ah ouais, c'est un petit subflock, faut la redémarrer. Finalement, rien ne se passe bien dans cette run. J'espère que Sanjan se sent bien, parce qu'entre la coupure de courant et le subflock, là, c'est... Et là, il me semble qu'il y avait une cinématique ici qui ne se déclenche pas. On est vraiment pas fort. Parce qu'on parle d'une version Paris Master, et ouais, c'est vrai que c'est pas les jeux les plus robustes de l'univers, c'était quand même pensé pour des jeux console à la base. Le contrôle à la supre, hein, c'est jamais bon signe.
Ah, le bingo du restream, attention, qu'est-ce qu'on va voir. Ouais, décidément, je suis d'accord que Mass Effect, est un petit peu... un petit peu maudit, hein. Never happened before, bien évidemment. Comme quoi, hein. Ah bah oui, hein, on s'est dit que t'avais Curse, J'ai rien, Curse, en fait. Promis, promis, j'ai rien fait. Il est c'est dans pas ses petits papiers, hein. Promis, c'est pas moi. Vraiment, là, je... Genre, sur place qui débranche. Vraiment, vraiment... franchement, c'est pas moi. De toute façon, si vraiment ça avait été moi, j'aurais pas été malin parce que j'aurais préféré que ça arrive vite, quoi. Ça se passe vite. Mais là, du coup, ils vont faire quoi? Ils vont refaire. Enfin, ils vont cancel la run? Ils vont relancer le jeu? Ils vont. Je pense que c'est un restart du jeu, d'après ce que j'ai compris. C'est juste pour redémarrer le jeu. Ok, mais il y avait des saves? A priori, ça save entre les missions, donc oui, ça devrait le faire. Ok, parce que bon, techniquement, avant la run, on avait 30 minutes d'avance. Mais c'est... Ouais, non, mais ça, heureusement qu'on avait 30 minutes. En même temps, voilà. C'est vrai que souvent, quand un marathon de speedrun a de l'avance, il faut se méfier. Faut se méfier, donc bon. Ah, et on. Ah là, c'était rapide. Ok, bon, super. Ça, on reprend juste. Bon, allez, bon courage. Ça va bien se passer. On y croit à mort. Ah non, il va y avoir une troisième. Là, il va y avoir une troisième. Il va se passer un truc là. Il n'y a jamais 203. Et c'est reparti. Allez. Ouais, voilà. recommandation de la légendaire édition pour jouer en casu. Et je suis tout à fait d'accord, monsieur Alec. Ouais. Mais en vrai, la légendaire édition est très très bien. Vraiment, c'est. Je pense que le remaster est. Il y a aucune raison aujourd'hui de jouer à Mass Effect, à part pour le speedrun, de jouer en dehors de la Legendary Edition. Vraiment, il y a. Bah, pour le coup, les remasters sont vraiment. Ah, attention, c'est bon. Tout va bien. Bah, le trigger de la mort. Voilà, on va préparer un petit saut, voilà, c'est toujours. Toujours très bien. Attention, ouais. Parfois, on peut se faire déséquilibrer et ça nous fait du coup perdre quelques petites secondes de déplacement. On veut un peu éviter de trop se prendre des explosions trop proches de nous. Là, on avance un petit peu. Voilà, un peu de... Ici, pas trop d'out of bounds à faire. J'ai menti, ils vont faire un là, ils vont faire un là. Non. On voit que pendant ce temps, nos compagnons sont en train de se faire déglinguer. Hop, Jacob, au revoir. Bon, on fait pas vraiment attention à nos compagnons la plupart du temps quand même. Pour l'instant, ouais, là, tant qu'on est vraiment en mode rush, voilà, on s'occupe aussi pas d'eux. C'est pas... Il n'y a pas de game over qui est rattaché à un compagnon qui meurt ou... C'est quoi, ça, voilà, seul l'avantage de part d'importe, les compagnons peuvent canner autant de fois qu'ils veulent, il n'y a pas de souci. Vous voyez que là, sur la course IV, on a justement le revive des compagnons qui est bind. Ouais, un médigel, ça repart, hein, c'est ça. Qu'est dans le Mass Effect 1, c'est aussi qu'est dans le Mass Effect 2. Émission de Jacob terminée. Donc voilà, la loyauté de Jacob qui est faite, on a encore la loyauté de Tali à faire et la loyauté de Jack. C'est ça, car la troisième composante qu'on va avoir à choisir dans l'émission suicide, c'est une barrière biotique, donc on va choisir parmi les biotiques. Donc entre Miranda, Jack et Morant, j'imagine. Ou Samaras, je crois que tu as choisi entre Morant et Samaras. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, mais ça c'est aller chercher Morant, Samaras, c'est beaucoup trop long, et je crois que la mission de Miranda doit être plus longue que celle de Jack. Ouais. Donc, voilà. Pourtant, ouais, c'est Samaras qui va être très très utile dans la run, un peu indirectement. Parce qu'en fait, on a récupéré son pouvoir dans le New Game Plus. Et du coup, c'est un pouvoir qu'on va utiliser dans la dernière mission. Et je pense qu'on vous expliquera ça en temps venu. Donc, mission de loyauté de Jack. Voilà, on va aller dans son ancien institut où il avait été un peu maltraité. Et elle veut simplement le faire péter. Ouais, c'est ça. Hein. Globalement, Jack, c'est enfant soldat élevé à la dure par un plan biotique, les piqûres, les machins. C'est un petit peu un rat de laboratoire, Jack. C'est pour ça qu'elle est psy traumatisée, bien évidemment.
Donc ouais, voilà, on arrive dans cette espèce d'institut délabré. On va un peu tuer tout ce qui bouge et faire péter le bâtiment, parce qu'à la fin, il faut toujours faire péter le bâtiment. Donc, C'est ça. Voilà, et Jack, qui est notre squad, hein, à chaque fois qu'on a mis son loyauté, évidemment, la personne associée est forcément dans notre squad, donc on n'a pas trop le choix. Mais de toute façon, ça importe peu dans ces genres de missions, c'est pas ça qui nous rend la vie plus dure que nécessaire. Je crois que alors c'est pour la déchirure qu'on doit avoir Miranda en permanence. Je dis pas de bêtises. Il me semble que oui. Qui a un pouvoir qui fait pas mal de dégâts. Ah, le fade dans la. Ah là 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 là, terrible. Voilà pourquoi il faut pas aller trop vite. Mais voilà, c'est un memory tout simplement. Mais voilà, parfois on va un peu trop vite. Mais bon, c'est que quelques secondes de perdu, j'ai envie de dire. C'est fait. Vraiment, si vous êtes vraiment friand du Land Massacre, il y a 2-3 livres qui ont été écrits, même par, je crois bien, directement par Drew Caprichin. Donc Drew Caprichin qui est vraiment le papa du lore, en quelque sorte, vraiment le directeur de l'histoire. Je ne me rappelle plus exactement quel rôle il avait dans le livre, mais vraiment, je crois que c'était le story lead de la trilogie, en tout cas. Et oui, il y a des livres écrits par Drew Caprichin qui sont vraiment très très sympas. Qui racontent la guerre du premier... Il y en a un qui raconte vraiment l'histoire du Capitaine Anderson pendant la guerre du premier contact avec les Turiens. Donc voilà, des trucs très très sympas. De toute façon, il y a pas mal de contenu annexe. Il y a des comics, il y a le fameux... l'OAV aussi qui est assez cool. C'est ça, voilà. du comics, les entrées de codex et tout, vraiment pas mal de lore disséminé. Et voilà, c'est pour ça que ça serait dommage d'abandonner la licence après Andromeda. C'est ça. Mais bon, a priori, on a un truc dans les... alors, je sais pas comment ça se passe après les différents layoffs, et encore un courage à toutes celles et ceux qui travaillent dans le jeu vidéo, qui sont impactés par cette fantastique industrie. Donc je sais pas trop comment ça se passe du côté des créateurs du prochain Mass Effect, mais a priori il y a un opus en préparation. Et oui, et le jeu, voilà, vous inquiétez pas, le jeu va très bien. Voilà, on a des petits glitches de cinématiques qu'on va voir un petit peu plus récemment, mais ouais, c'est assez toujours marrant de voir. On va voir des petits glitches comme ça, vous allez voir, ça va être cool. C'est qu'en fait on skip les cinématiques plus vite que le jeu ne le pense, donc du coup on a les mouvements d'œil, mais le reste ne bouge pas. Et ça fera des moments d'yeux très très marrants. Il y a une cinématique notamment avec Joker, oui. Ouais. qui est vraiment du derpentance. Ouais. De toute façon, vous comprendrez quand on y sera. Daratar, donc encore une petite mission N7 très très rapide. Hein. Et par rapide, je veux dire genre très très rapide. Voilà, donc, voilà, faut tuer ces robots. Un petit nuke et puis on repart au vaisseau, tout simplement. Ils sont vraiment nuls. Et on a la question pour la catégorie. En effet, c'est tout le monde vivant à la fin, mais tout le monde recruté vivant à la fin. Donc on n'a pas besoin de recruter tout le monde. Mais en effet, c'est ça. Personne ne doit mourir dans la mission suicide à la fin du jeu. C'est ça le No One Left Behind. C'est ça. Il faut un minimum donc, de 8 compagnons recrutés. Je crois qu'on les a tous recrutés, me semble. Tout le monde là, ouais, je crois bien. Ouais. C'est ça. Donc on a. Donc, pensez ému à ceux qu'on ne verra pas, notamment Tain, qui est un perso incroyable, Tain. Qui est un perso qui est en maladie terminale pendant toute la durée de Mass Effect 2 et 3. Je crois qu'on ne verra pas Samara non plus, on ne verra pas Légion. Et Kasumi, on ne verra pas non plus. Et Kasumi, ouais. Et non, Lyra, on ne peut pas la recruter dans le 2. Non, on ne peut pas. Il n'y a pas de lire dans le 2. Elle est c'est Courtier de l'ombre, bien sûr. The Shadow Broker. Il y a tout un DLC qui est axé autour de Lyra. Oui, ça, c'est le. D'ailleurs, ouais, tous DLC de Mass Effect 2. Les DLC de Mass Effect 2 qui sont excellents, d'ailleurs. Oui, aussi, autant c'est... Kasumi que Courtier de l'ombre aussi. Peut-être Arrival, donc le dernier DLC un petit peu. Dernier DLC chronologiquement qui est peut-être un peu plus faible, mais qui reste quand même assez cool. Et non, du coup, on fout pas les pieds sur Ilium, en effet.
On va même pas sur Ilium, hein, qui est une planète très très sympa, Ilium, et la mission de Tain, les missions de Tain font partie des meilleures. C'est vraiment... Ouais, Tain, ouais, en perso, j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup dans les fans de Mass Effect, alors que c'est vraiment un des persos les plus Il est très très, très très impactant comme perso. Et Javik, non, Javik c'est que dans le 3. Javik dans le 3, ouais. Car oui, on apprend au fur et à mesure du jeu que les récolteurs sont en fait des protéines transformées par les moissonneurs. Alors là, on va parler un peu du lore global. Ce qui se passe dans Mass Effect 1, c'est qu'on découvre que la galaxie est attaquée par les moissonneurs, qui sont une espèce de race d'IA qui en fait viennent se nourrir de toute vie dans la Voie Lactée, à peu près tous les 50 000 ans. Ils parlent de cycles. Et donc voilà, en gros, il y a les races primitives qui grandissent pour devenir des races conscientes et qui découvrent les étoiles et qui deviennent avancées et tout. Et tous les 50 000 ans, les moissonneurs arrivent et tuent absolument tout le monde dans la Voie Lactée. Et ensuite, c'est les nouvelles races primitives qui étaient là, qui prennent le relais. Et en fait, il y a beaucoup de choses que trouvent... C'est notamment comme ça que pas mal des races de l'univers ont appris à... Le voyage spatial dans ce cycle, c'est les études des protéins qui faisaient partie du cycle précédent, les protéins. Une race alien qui faisait partie du cycle précédent. Et donc beaucoup, beaucoup de choses. Par exemple, Liara est une spécialiste de l'histoire des protéins et une archéologue. Et on va beaucoup parler des protéins, et d'ailleurs on découvre que du coup les récolteurs sont des protéins transformés par les moissonneurs. C'est ça l'armée qu'on affronte dans Mass Effect 2, l'armée des récolteurs. Et ouais, d'ailleurs, on est dans le vaisseau des récolteurs, donc le même vaisseau qui nous a attaqué, me semble, au début du jeu. Donc, et voilà, on est dans cette mission un peu histoire un peu obligatoire. Donc, on va aller un peu chercher des infos sur comment aller attaquer la base des récolteurs. Ouais, en fait, la base des récolteurs, on voit que c'est un petit peu un trap. On était un peu attendu ici dans la base des récolteurs, et tout un délire avec Augure, je crois, qu'on affronte ici. Mais bref, ce qui est important, c'est que dans la base des récolteurs, on apprend que les protéins utilisent un espèce d'IFF, donc ça c'est identification friend-foe, donc c'est en gros, il faut un espèce de truc pour nous identifier, pour pouvoir utiliser un relais. Donc les relais de masse, c'est les choses qui permettent de traverser les différents systèmes. Et il y a un relais, le relais Omega 4, qui est totalement verrouillé, et il nous faut cette espèce de système d'IFF pour utiliser le relais et arriver à la base des récolteurs. Voilà, on n'est pas obligé donc d'aller directement donc à l'IFF, mais on va le faire parce que c'est plus rapide. Mais en fait, une fois qu'on va faire donc cette mission d'IFF, on va devoir finir assez rapidement une mission parce que si on prend trop de temps, il y a un risque que il y a des gens qui meurent. Donc on va aller un peu expédier cette quête principale. Donc voilà, allez chercher l'IFF des récolteurs. Ne vous inquiétez pas, le jeu n'a pas bugué. Ouais, ça c'est normal, le petit freeze de cinématique ici. Tout va bien, donc voilà, là on va arriver, regardez bien les yeux de Joker surtout. Et... Hop là. C'est pas la meilleure. Et on aura l'occasion d'en voir plusieurs. Et ouais, ça fait très Garry's Mod dans les... Un peu, ouais. Avec ses zooms, machin. Hop là, ouais. Voilà. Le très beau héros là. Le petit Undertaker Joker. Et bon, l'IFF. Ah, le Mass Effect, l'effet cosmodésique, comme c'était traduit en français, je crois. Oui, c'est ça. Qui est justement cet effet de modifier les champs gravitationnels pour annuler les masses et voyager. Et c'est ça que font les relais. C'est ça que font les relais, en fait. Les gens ne peuvent pas vraiment créer les relais. Les relais étaient là. Et du coup, on utilise les relais pour voyager entre les systèmes. Et voilà, il y a des systèmes qui n'ont pas de relais. Il y a des espèces de routes. Bon, c'est comme ça. Et c'est le gars qui conduisait, ouais. Et ouais, qui ont confié le vaisseau. Donc voilà, c'est dans cette mission de l'IFF qu'on peut récupérer Légion, mais on va pas le faire, du coup.
Légion, ouais, qui est un guet, donc une machine un peu. On a... Il y a tout un lore entre les guettes et leurs créateurs qui sont les Kariens, donc la race de Talis. Mais ça, c'est l'un des gros arcs principaux de l'univers de Mass Effect qu'on voit dans toute la trilogie. C'est ça, parce qu'en dehors de l'histoire principale, encore une fois, on a, bah, surtout ces deux gros arcs-là, l'arc du génophage et l'arc des guettes, surtout. Est-ce qu'on a un troisième, peut-être ? Je me rappelle plus bien de toute l'intégralité de Mass Effect 3, mais voilà, c'est des gros arcs, entre guillemets, annexes, qui sont vraiment, vraiment super importants, en vrai, dans l'histoire globale, qui ont vraiment des grosses conséquences quand on les fait jusqu'au bout, quoi. Ouais, j'essaie de réfléchir, mais c'est un peu les deux... Surtout Génophage et les guettes, quoi. Parce que les guettes qui ont été créées par les Kariens, justement, en tant qu'IA pour les aider, en fait, c'est une collectivité, les guettes. C'est un esprit de ruche. Tous les guettes sont interconnectés, c'est ça qui les rend très puissants. Ils sont tous connectés ensemble. Et en fait, les guettes ont pris possession de la planète des Kariens. Et ça a apporté, en gros, du coup, les Kariens ont été forcés de migrer dans une flotte nomade, donc tous les Kariens vivent dans la flotte nomade, et partent en pèlerinage après, donc Tali, par exemple, est en pèlerinage, donc ça, c'est encore autre chose dans la société Karienne. Et ça a, en fait, engendré tout ça, un ban de l'IA, dans toute l'Alliance et dans tout le système concilien, l'IA, le développement d'IA est interdit, à cause des Gates. Donc, dès qu'on va avoir des trucs, ça va être juste des IV d'intelligence virtuelle qui sont des bases de données, mais pas des choses conscientes, on va dire. Ouais. Enfin, remarquer que le troisième acte, oui, Cerberus, ouais, c'est un arc aussi important, effectivement, dans le 3 aussi. C'est vrai que, oui, qu'on a Cerberus, en effet. Voilà. Donc là, comme on vous a dit tout à l'heure, le jeu essaie de nous presser de dire que, voilà, ce serait bien de ne pas trop traîner après avoir fait la dernière mission. On va faire deux dernières petites choses, notamment donc la mission de loyauté de Tali, qui est très cool. Quand on parlait de la flotte nomade, justement, on va s'y diriger, la flotte nomade. Il va falloir remettre Tali en contact avec avec sa famille. Car elle était en... Et donc voilà, et donc du coup, la conséquence de ça, c'est qu'on va avoir une équipe Taligarus, et j'ai envie de vous dire, l'équipe Taligarus. Si c'est pas une équipe que j'ai spammé, alors. Ça, clairement, ouais, c'est l'équipe. C'est l'équipe A, hein, clairement, ouais. Moi aussi. Donc voilà, on va devoir les régler, les daddy issues de Tali. Car voilà, les Kariens, quand ils arrivent à partir d'un certain âge, doivent partir en pèlerinage pour découvrir le monde et ramener des expériences, des objets de leur pèlerinage pour aider à la flotte ensuite, pour aider à la flotte nomade. Et donc voilà, les Kariens sont liés à leur vaisseau de la flotte et tout, et toute une espèce de société, entre guillemets, presque tribale, du coup, qui s'est développée à travers les vaisseaux de la flotte Karienne. Et qui fait aussi qu'à vivre dans l'espace, dans des endroits stérilisés comme ça, bah, les Kariens, en fait, par biais d'évolution, ont totalement déglingué leur système immunitaire, et c'est pour ça qu'ils vivent tous dans des combinaisons. C'est ça, de toute façon, ouais, de toute façon, le... Évidemment, on l'a pas forcément dit, mais le lore building de Mass Effect est vraiment très très cool. Il y a vraiment plein de petites histoires annexes, plein de petites subtilités dans le lore qui font vraiment le sel un peu de toute la saga. Mais toutes les races aliens sont tellement développées et tellement intelligentes dans leur construction que vraiment toute une histoire vraiment intéressante. Je dirais que celle qui est peut-être une des moins explorées, celle des Turiens, et c'est un peu dommage, mais. Ça, parce que les Turiens, c'est un peu réduit à bah, les Turiens, c'est des bons stratèges, ils aiment bien faire la guerre, quoi. Bon, voilà. Ça, ouais, on les voit un petit peu plus dans le début de Mass Effect 3, mais sinon, ouais. Ça, il ouais, n'y a pas. Ouais, c'est la première mission de Mass Effect 3 qui est avec les Turiens, en effet. Bah, la charge qui est toujours très très utile, puisqu'on. Là, on cherche vraiment principalement à toucher les triggers, il n'y a pas forcément beaucoup de. Beaucoup de combats obligatoires. Et on fait évidemment l'interrupt par un rond essentiel, le câlin à Tali. C'est pas obligé dans le speedrun, mais ça l'est quand même un petit peu quand même. Ouais, ça l'est un peu obligé quand même. Oui, et dans les dialogues, vous avez les options de faire des interruptions par un rond renégat, donc en gros gentil ou méchant. Gentil ou méchant. Bah. Conciliant ou pragmatique, enfin. J'ai dit la partie basse tout haut. Ah là 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 là.
Mais en fait, non, Mass Effect, c'est pas un jeu si manichéen que ça, finalement. Ça l'est un petit peu, mais moins que vraiment gentil et méchant. Ça reste plutôt sympa par rapport à d'autres RPG, justement. Ah bah voilà. Après, c'est un peu à l'instar de... Bon, c'est un peu à l'instar de KOTOR et de KOTOR Obscur côté lumineux, quoi. Donc, de toute façon, ouais, c'est BioWare. C'est BioWare. Ça nous manque. Hein. On verra bien ce que Dreadwolf va donner, mais bon. Mais mes attentes ne sont pas très. Ouais, on prend le cas où tu peux peut-être prendre anti-génocide, c'est un peu ça, le génophage. Bon, c'est. Non, mais en vrai, on pourrait avoir sur la question du génophage dans le 3, il y a un vrai débat qui se pose pour les conséquences individuelles. Hein. C'est un petit peu un DM à la Life is Strange hein, pour le génophage. Hein. C'est pour ceux qui ont la ref. Mais voilà, nous avançons pas trop quand même. Pour... Oui, voilà, on va garder un petit peu pour ceux qui n'ont pas fait les jeux en entier. Mais... Allez, voilà, mission de loyauté faite pour Tali. Maintenant, il reste 2-3 missions. Il reste peut-être une ou deux. C'est une mission N7 encore une fois qu'on fait. Ouais, une dernière mission N7 à faire pour pouvoir ensuite aller attaquer le relais Omega 4 et la base des récolteurs. Et la dernière mission qui va être la plus longue. Là, on profite un peu des OOB, voilà, ça va être. Ouais, c'est très rapide. Et voilà, c'est fait. Allez, on va aller au relais. Je sais pas si elle va faire la mission de loyauté de... Non. Ok, parce que ouais, avant on faisait la mission de loyauté de Mordine, j'ai l'impression que c'est plus du tout dans la route. Pourquoi on ferait la mission de loyauté de Mordine? Moi, c'est vrai, ça l'était dans la run que j'ai vu, mais peut-être que c'est peut-être pas assez... Ça me dit rien dans la route que j'avais regardé de mon côté. En tout cas, voilà, on n'en a pas besoin. Bref. Pour moi, il en faut que 3, en effet. C'est ça. Donc voilà, Shepard et l'équipe partent un peu en reconnaissance et on laisse un peu le Normandie vaquer à ses occupations, sauf que c'est le moment où les récolteurs vont choisir pour aller attaquer le Normandie. C'est ça. Ah, encore du agitateur de Joker. Et pendant que le commandant Normandie se fait attaquer, tout notre équipage se fait capturer, sauf le GOAT. Voilà, notre GOAT, il est là. Le jumeau. Ouais. C'est lui, notre GOAT. Joker. Ah bah oui. Ouais, le derping est intense. Ouais. Donc voilà, et du coup, la seule façon donc, de sauver le vaisseau, c'est IDEA, donc l'intelligence artificielle du vaisseau qui la donne, c'est de lui donner le contrôle du vaisseau. Et Joker, ben, comme il aime beaucoup son vaisseau, il hésite un peu, mais bon, il n'a pas trop le choix. Hein, c'est soit ça, soit la mort. Et puis, donc, il va aller courageusement jusqu'au cœur du Normandie. Ah, voilà. Savoir que ouais, Joker est handicapé, hein. c'est un des grands trucs de Mass Effect, donc vous voyez qu'il boite bien et qu'il galère bien, je crois que c'est une maladie osseuse qu'il a, Joker. La maladie des autres verts, ouais. C'est ça, c'est les autres verts, Joker. Voilà, donc il n'y a pas beaucoup d'optimisation à faire, c'est vraiment un instant purement cinématique, il faut suivre un peu les loupiottes au sol. D'ailleurs, méga, super méga giga représentation d'un handicap dans les jeux vidéo, Joker, vraiment. Un perso incroyable, et donc du coup, voilà, tout l'arc de Joker dans Mass Effect 2, ça va être le fait qu'il récupère le nouveau Normandie avec une IA à l'intérieur, justement, encore une controverse, Cerberus a développé une IA, on parlait du ban de l'IA. Donc du coup, voilà, DA qui est une IA et qui est intégrée au vaisseau, et Joker, ça va absolument pas lui plaire, cette histoire d'IA, c'est mon vaisseau et pas les IA dedans, et il va apprendre à lui faire confiance au fur et à mesure, et DA, et ensuite, mais, si vous avez fait Mass Effect 3, voilà. Là, on a vu Légion vite fait, mais voilà, c'est la seule fois qu'on le verra. Voilà, et on continue un peu notre périple, ça, on va arriver au dernier niveau, on voit un petit peu de toutes les parties du vaisseau qu'on n'a pas forcément vues, notamment l'infirmerie, et un peu les coursiers, un peu qu'on voit déjà, qu'on les a vus tout à l'heure, mais sinon on a plein de petites salles qu'on n'a pas vues
qui du coup sont un peu les quartiers des autres recrues qu'on peut faire dans l'aventure. Ouais, c'est ça, c'est un petit peu vraiment une des jeux de Mass Effect, c'est de se balader dans son vaisseau entre les missions et de voir qu'il y a une nouvelle voice line pour nous et de se faire embarrer par Garrus qui fait des calibrations pendant 14 missions. Donc voilà, ici vous voyez le moteur des vaisseaux, le moteur c'est le moteur à élément zéro, c'est l'espèce de grosse boule, c'est les moteurs gravitationnels. C'est ça qui vont être installés dans tous les vaisseaux qui permettent d'utiliser les relais, les machins. Et voilà, on a sauvé notre vaisseau. Voilà. Mais bon, le truc c'est que quand même les récolteurs ont pris pas mal de gens du Normandie. On va devoir les sauver alors qu'on se prépare à la mission pour aller défaire les récolteurs. It's good for Edie to be showing what it looks like to provide support to a friend. You know, it's important. You gotta check in with your peeps after. Yeah, je remarque qu'ils ont des chaises gaming au cast de RPG LB. Hein. Magnifique. Ouais, je vais faire des positions pour qu'on ait ça en event. Et aussi le magnifique détail du rouge et du bleu aussi d'un côté et de l'autre aussi. Ah oui, en effet. Donc qui finissent un peu les alignements. De Mass Effect. Et on va se diriger vers la mission finale, donc la fameuse mission suicide. On va faire un discours un peu plein d'épicness et on va aussi avoir le fameux check un peu des upgrades qu'on a achetés. On a donc trois upgrades à avoir achetés. Du coup, pour chaque upgrade qu'on n'aurait pas acheté, on aurait perdu un membre d'équipage. Donc voilà, c'est pas cool. Donc il fallait bien avoir toutes les upgrades. Et voilà, vraiment, toute cette mission-là qui commence de maintenant, c'est vraiment un concentré de pure epicness. Vraiment, ça ne s'arrête pas. Il y a de la tension, il y a de l'epicness. C'est vraiment... C'est l'une des missions, pour moi, les plus emblématiques du jeu vidéo entier. Quoi. C'est, ouais, mais j'espère que vous avez bien fait vos devoirs. Votre premier playthrough et que vous n'avez tué personne dans votre premier playthrough de Mass Effect 2. Je crois que j'avais tué personne. Ouais. J'avais tout le monde et j'avais tué personne. À partir du moment où t'as fait tout le contenu avant d'aller faire la dernière mission, en général, personne ne meurt. C'est assez. Voilà, faut aussi un peu réfléchir aussi sur certains choix. Voilà, on va défendre un peu le vaisseau une dernière petite fois. Voilà, sur deux petites séquences, vraiment. Magnifique agilité de Mordine. Ah bon, allez, l'Oculus, voilà, on lui met des coups de Matok, c'est très très fort le Matok, là, maintenant que l'Oculus est parti, on va pouvoir nuquer la zone. Donc là, vraiment, le Normandie en plein zigzag d'un champ de débris, et du coup, c'est... Et en plus, on a des ennemis à gérer, donc c'est vraiment le chaos total. Ouais, les musiques. Ouais. Les musiques, je vais avoir perdu les compositeurs de Mass Effect. Terrible. Ouais, vraiment, ouais. En termes d'OST aussi, c'est vraiment exceptionnel. Hein, niveau. Jack Wall, bien évidemment. Ouais. Jack Wall. Les OST de Mass Effect et de Call of Duty, bon, on peut pas tout avoir aussi. Mais en tout cas, Mass Effect. On est bientôt arrivé là, on va chercher, je crois, attaquer une dernière fois, c'est le dernier check un peu de... où on va mettre un peu en valeur les armes qu'on a achetées. C'est vraiment galvanisant comme mission, c'est vraiment un kiff total du début à la fin. Évidemment, comme ça se passait trop trop bien, on va se crasher. Oui, bah faut que tout se passe trop mal, hein. C'est vraiment le. Alors pour le coup, j'ai pas fait le jeu à sa sortie, mais ça devait être très bien comme mission de faire le jeu à sa sortie avant de savoir qu'il allait avoir le 3 peut-être. Moi, je l'ai fait un peu plus tard aussi, mais
Mais ouais, le plus dur, c'est vraiment d'éviter les spoilers aussi du 3. Ah ouais, j'avais réussi à pas trop me faire spoil quand j'avais fait toute la trilogie. Je crois que j'avais qu'un événement global. Et voilà, c'est l'heure du discours inspirant, c'est l'heure des choix, puisqu'on va, en fait devoir séparer notre école en équipe. Et du coup, on va devoir choisir les leaders de ces équipes. Et ce choix est très important parce que si on prend un mauvais leader, et ben ces gens peuvent mourir. Et du coup, faut pas trop louper. Donc, on va prendre Tali et Jacob, du coup, comme ils sont loyaux. Et du coup, on va avoir, je crois, deux fois le choix à faire pour s'assurer qu'on ait la meilleure fin. C'est ça. Donc là, en fait, c'est spécialiste et leader. Du coup, donc là, le spécialiste, il va aller dans l'event pour cette partie-là. Donc, il faut quelqu'un plutôt doué technologiquement. C'est pour ça qu'on envoie soit Légion, soit Tali, soit Samara. Non, Kazumi, pardon. Kazumi. Donc là, on envoie Tali. On a fait sa mission de loyauté. C'était pour ça. Et ensuite, en spécialiste, pour l'idée, la team d'à côté, ça sera toujours Jacob. Et normalement, il y a tout un délire avec l'ouverture de valve un peu au fil du chemin, sauf que voilà, il n'y a que la dernière qui est vraiment obligatoire. Donc on va seulement activer des valves intermédiaires si on est très ralenti. Mais normalement, ça devrait le faire, on va pouvoir aller au bout. C'est ça. Donc voilà, là, vraiment run and gun, classique dans les couloirs du vaisseau ici. Sachant qu'on a réactivé l'autosave parce qu'on aura un skip plus tard qui nous demande de l'utiliser. Et surtout, c'est la dernière mission qu'on a chargée, donc de toute façon, le truc de l'autosave qui nous refile nos munitions n'est plus utile, on n'aura qu'une seule munition nuke pour cette mission, et c'est comme ça. On arrive vraiment à on a utilisé que le Matok toute la run, parce que c'est vraiment une super arme, c'est une arme de DLC, le Matok. Mais vraiment, aussi vite fait, l'utilisation des armes, ce que vous en faites, des trucs très très sympas. Allez, Mordine Miranda, évidemment. Et donc là, on a changé de spécialiste. On est passé en Jack en spécialiste parce qu'on a besoin d'une barrière biotique pour avancer ici. Oui, effectivement, il y a un peu un dessin d'espèces d'insectes voilà, qui font énormément de dégâts quand on sort de la bulle. Donc c'est un peu un auto-scroller un peu obligatoire. Mais voilà, ça reste un moment très très cool. Voilà, ici on va devoir protéger Jack au milieu de la bulle. If you go outside of the bubble, start taking damage very quickly. À chaque fois, il faut toujours un peu lui parler pour qu'elle avance, parce que voilà, il y a des points où elle s'arrête. Mais bon, ça veut dire, imaginez bien qu'il y a un PNJ qui avance et vous faites des vagues, donc ça veut dire que c'est un auto-scroller. Miam, miam, miam. Vraiment, il y a eu de bien pires missions d'auto-scroller de PNJ dans le jeu vidéo, donc... On a vu pire en effet, il y a quand même 2-3 trucs à tuer sur le chemin, on n'est pas trop dépaysé. De toute façon, Jack peut quand même prendre pas mal de dégâts, donc c'est cool. Ouais, on se contente un peu de tuer un peu les ennemis parce que c'est un peu obligatoire pour avancer. Mais voilà, on va. Comme on fait quand même pas mal de dégâts, c'est très. Ça reste un peu une formalité. La pénis passage en porte-étendard en effet, parce que le porte-étendard sur le gameplay habituel c'est quand même de dash sur les ennemis et mettre des coups de fusil à pompe. C'est pas le meilleur, hein. C'est pas le meilleur passage pour ce gameplay là en effet. Exact. Parce qu'il y a tout le gameplay fusil à pompe qu'on joue pas du coup, mais vraiment c'est un peu le gameplay du porte-étendard de jeu fusil à pompe normalement. Après le truc avec le porte-étendard c'est qu'il a aussi l'onde de choc qui permet de balancer les ennemis dans le vide. Il y a pas mal de vide dans ce niveau là, donc ça peut aider pas mal. Il y a des pouvoirs totalement broken de biotique qu'on n'a pas, genre la singularité, parce que quand on est adepte, qu'on l'a celle-là, mais la l'onde de choc, c'est un très très bon pouvoir aussi. C'est vraiment c'est les deux pouvoirs de départ, je crois, qu'on a avec le porte-étendard, c'est l'onde de choc et le dash. C'est ça. On suit tranquillement le script. J'ai pas fait Destiny 2, donc je ne saurais pas dire Luce. Et s'ils ont pas de bouclier, en effet, oui. La plupart des pouvoirs biotiques sont inefficaces s'ils ont du bouclier en face.
C'est pour ça qu'il faut bien savoir jouer au tour, qu'il faut souvent avoir. Hein. Je crois que je me rappelle, je jouais avec un build de double décharge. Je crois que j'avais Mordine Garus et j'avais double décharge. Ouais, double surcharge dans mon. Justement, c'est pour ça qu'on amène Mordine en mission, c'est que du coup, il peut les détruire. C'est ça, c'est vraiment la. Vous voyez les pouvoirs de Mordine en haut, le 3-4, c'est le pouvoir de Mordine, l'incinération, la surcharge. Vraiment des pouvoirs très, 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 très utiles. À savoir qu'il y a tout un menu qu'on n'a pas utilisé, mais il y a tout un menu tactique qui, en vrai, quand vous jouez dans les hautes difficultés, vous allez l'utiliser. C'est vraiment une pause tactique qui vous permet de planifier des actions, analyser un petit peu la situation, envoyer vos alliés à certains endroits et tout. Là, forcément, ça fait perdre du temps de poser le moteur du jeu, donc on va pas le faire du tout. On fait tout avec des raccourcis, mais on le fait vraiment une fois parce que c'est obligatoire dans Freeground Progress, donc la première vraie mission. Mais sinon, ouais, les alliés, on n'a pas forcément beaucoup besoin dans l'arène. Là, on s'approche de la fin doucement mais sûrement. Je peux peut-être vous parler du coup du fait qu'on a donc le pouvoir de Samara qu'on a récupéré du New Game Plus, donc qui s'appelle la rupture, qui est un pouvoir qui permet de faire du vol de vie. Et donc ça va être très utile puisque à un moment on va vouloir finir la mission un peu plus tôt et donc on va sortir de la bulle exactement ici. On va faire une rupture sur cet ennemi là et toucher très vite la zone. Vous voyez, on prend énormément de dégâts. Mais voilà, on régène un petit peu avec l'ennemi et ça va le faire, voilà. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de ce pouvoir-là. Ouais, c'est vraiment un petit drip sur Jack, on met le drip sur Jack. Voilà, bien sûr. C'est cool de voir ça. Donc, costume qu'on débloque du coup en... Je crois, ça me semble l'été, ou soit en DLC, je pense qu'il y a aussi des DLC qui... Oui, il y avait des DLC de drip, oui, je crois que c'est la tenue DLC, celle-là. Mais voilà, donc le pouvoir de Samara, donc Samara qu'on n'aura pas vu du tout dans le jeu, mais qui est présente très très fortement. Encore un personnage un peu sous-côté, Samara, je trouve. Je me rappelle plus bien de tous les arcs de Samara, manifeste un personnage assez agréable à suivre, un peu différent des autres, plus vraiment très spirituel pour le coup, Samara. Ouais. Ouais, très dans ses bottes aussi, ouais, c'est cool. Donc voilà, un petit auto-scroller parce qu'on en a fait un, donc pourquoi pas un deuxième. Donc on a fait des petites plateformes un peu volantes qu'on a qui était dans le niveau du vaisseau récolteur, mais qu'on avait skippé avec un petit OB assez habile. Là, on va devoir se les coltiner. C'est ça, donc ouais, petite séquence de fight. Ici, on aura Jacob et Jack parce que ça va être le plus opti. On n'a pas vraiment besoin de. Il n'y a pas trop d'armure ici, donc. On est bien content d'avoir du pouvoir biotique pour faire du crowd control ici. Notamment, on a la singularité de Jack ici, ou la lévitation peut-être. On se contente un peu de tuer les ennemis qui nous arrivent dessus. Hop là, les Saiyans qui sont pleins d'armure, à savoir qu'on a les munitions incendiaires aussi, une partie du kit du Vanguard, qui sont des munitions comme l'incinération en fait, qui sont plus efficaces contre l'armure et l'organique. Donc voilà, sur le Matok, c'est vraiment le build du Vanguard est totalement adapté à tout ce qu'on a besoin. Et on va arriver au boss final, donc le moissonneur humain, qui est un peu la construction que les récolteurs ont fait avec tous les colons qu'ils ont capturés. Ouais. Quelle angoisse, ça. Ouais. Vraiment impressionnant. Et il y a un Skeletor qui dise « Merde !» Ah la vache. Je ne l'attendais pas. Voilà, devinez où sont ses points faibles, attention, c'est très très dur. Ouais, voilà. Les gros trucs rouges qui brillent. Hop là, bouclier sur les trucs rouges qui brillent. Qu'est-ce qu'on va attaquer? Ouais, évidemment, le jeu vous le dit en plus, hein, si vous n'étiez pas... Et donc, on va essayer de le faire en un cycle. On va utiliser Déjà, on va tuer ces ennemis-là. Et on va utiliser la pose tactique un peu pour essayer de viser les 4 tubes en même temps pour tout tuer en un cycle. Voilà, on va essayer de tout éclater rapidement. On va se poser ici et... Hop là, on gagne un peu tout le monde. Ah voilà, parce que Jacob est aussi un ça peu... Ça passe, ça passe. Ça, c'est la déchireur. Nickel. Je vais les one cycle ici, il faut vraiment pas se gourer sur les shots. On a double one shot avec les pouvoirs de Jack et Jacob.
Allez, l'homme trouble qui nous parle, mais voilà. Voilà, la deuxième phase, voilà, et le time est très très proche de nous. On va balancer un nuke, voilà, une fois n'est pas coutume, on va hop là. Finir avec un nuke, et on va finir un petit peu au matoc. Et voilà, deux trois coups dans les yeux avec le matoc, et paf, c'est time. Une 15, peut-être un très très bon temps. Ouais, avec les pauses et tout, les distractions, le machin, franchement, c'est va avoir underestimé dans ces conditions, c'était déjà une belle prouesse. Hein, ce qui est marrant, c'est qu'on est à la fois underestimé et overestimé par rapport au planning. Oui, enfin voilà, il y a eu de la pause. Bon, une bourrée de problèmes techniques, voilà, coupure de courant, le soft lock, ce sont des choses qui arrivent, mais tout s'est bien passé à la fin pour Saint-Jean, gros GG à elle. Sachant que son record est à 1-10, donc c'est vraiment, vraiment très bien. Ouais, c'est encore une fois des runs avec assez peu de RNG, assez peu de variance, c'est vraiment juste de l'exécution. Et on voit que niveau exécution, bah, c'était nickel. Hein, la plupart des glitches d'out of bounds passaient direct sans trop besoin de revoir le setup. Au niveau des combats, c'était clean. One cycle sur le dernier boss, tout ça. Bon, voilà, c'est. Niveau mécanique, il n'y a pas grand chose à redire sur la prestation de Saint-Jean ici. Ouais, les One Cycle aussi sur le boss, on n'en a pas beaucoup parlé, mais le boss dans le vaisseau prison aussi. Ouais, Locus. Bon, je sais plus son nom, mais ouais, c'est vraiment l'ennemi à la fin de la mission de Jack. Ah, la mission de Jack, ouais. Mais voilà, on a sauvé tout le monde en tout cas. Ah, parce qu'il a des shields, lui, il ne faut pas se gourer, c'est ça. Enfin bref, donc voilà, bon, après, c'est toute la cinématique pour se barrer. Et on a réussi à sauver tout le monde, fantastique, une petite catégorie, donc voilà, pas un grand changement de la Nipourcente sur tous les trois missions de loyauté, un petit changement de routing pour aller recruter Tali. Et on va pas s'en plaindre, parce qu'on est très très content d'avoir Tali avec nous. Allez, le Normandie qui arrive, Joker qui tire sur tout le monde, allez. Oh, plus rien à foutre. Ouais, de toute façon, il n'y a plus que lui à bord. Hein, c'est ce qui est très cool parce que ouais, si on avait fait en 10%, tout le monde serait mort, dont Shepard. Ce qui fait que du coup, on n'aurait pas eu Mass Effect 3. Donc le 10% n'est pas canon. Allez, hop là, paf! Et juste, I'd also like to shout out all my fellow staff and attendees here at RPG Limited. Et hop, on va pouvoir s'extirper en attendant que la base récolteur explose. Et voilà, GG. Là, les petites... A lot of bullshit on the line, voilà, on envoie chier les Yves Man à la fin, fantastique. Et du coup, bah, je pense que... je ne sais pas trop quelles sont les directives côté, parce que je crois qu'il n'y a pas de commentaires après nous. Après, c'est remonté que ça a gagné Strelson Grimastered et il n'y a pas de commentateur. C'est ça, donc je ne sais pas si on attend, si on attend Chacha, si on se barre tout de suite, je ne sais pas. Mais voilà, bon, juste voilà, un petit mot de la fin. Voilà, mais en tout cas, j'espère qu'on vous a donné envie de jouer à Mass Effect parce que la trilogie. Est vraiment excellente, la run est très très belle aussi, donc voilà, n'hésitez pas à bourrer les dons aussi pour la suite du marathon. C'est ça, ouais, vraiment hésitez, surtout n'hésitez pas avec la légendaire édition qui est sortie il y a 2 ans là, même si vous avez un peu de mal avec le premier jeu, vraiment, allez vous speedrunner la mission principale du premier jeu pour avoir l'histoire et vous allez faire le 2 pour voir si vous accrochez plus. Vraiment, n'hésitez pas. Hein. Et c'est vraiment trop trop cool Mass Effect. Bah, merci pour le commentaire, Spirel. Ouais, merci à toi aussi. Donc voilà, jouez à Mass Effect, regardez des runs de RPG, donnez pour RPG LB. Et voilà. Et merci pour la confiance et l'FR encore une fois. C'est toujours un plaisir de venir ici. Merci à l'FR avec ces équipes qui sont toujours très, vraiment excellentes et toujours disponibles. Voilà. Et puis passez une bonne soirée, profitez des runs et bourrez les dons.